Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et je vous retrouve au milieu des oiseaux, mais pas que, il y a des guêpes aussi. Les oiseaux, oui, c'est impressionnant ici. Je suis au-dessus d'un petit arbuste là dehors et c'est bourré de guêpes et d'abeilles. Mais après, elles sont pas agressives, donc vu que les petits bourgeons sont tout en fleurs, c'est pour ça. Voilà, j'avais envie de vous prendre avec un beau ciel bleu. Et puis j'étais en train de faire des petites photos, voilà, look, maquillage, etc. Je reporte aujourd'hui un de mes pantalons à feuilles et j'ai fait un petit make-up vert. Donc voilà, là vous ne voyez pas grand chose, mais j'étais en train de faire des petites photos. Donc c'est parti pour un nouveau vlog, n'est-ce pas? Donc je pense que dans ce vlog on aura un petit peu de... à nouveau du bricolage, voilà, déco, etc. Je me remets à faire des petites choses, je fais toujours comme ça, des petits temps de pause, et puis après je reprends parce que mine de rien, ça prend beaucoup de temps et c'est fatigant quand même. Hein. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à vous raconter, des petites choses en perspective là. Et là, je dois retourner, je sais pas si je vais vous filmer un petit peu, normalement là, je vais repasser à Action pour reprendre leur peinture, en fait, petit prix. Parce qu'il y a certaines choses que je recustomise et je veux pas trop investir dans la peinture chère. Donc je vais aller chercher un pot supplémentaire à Action normalement. Alors je vous reprends pour un petit peu mieux poursuivre le relooking de ce meuble. Donc je crois que je vous ai laissé hier lorsqu'il était tout blanc. Donc en fait j'ai fait sous-couche, peinture blanche, n'importe laquelle j'ai envie de vous dire. Et maintenant je réalise une espèce de patine, donc j'ai déjà fait ça, hein. C'est pas la première fois. C'est la peinture que je suis allée chercher chez Action hier, donc clairement le rayon était dévalisé. Donc j'ai opté pour ces petits tubes, vous allez peut-être pas bien voir. Elle s'appelle Vintage Paint. Et on ne la trouve pas au rayon bricolage, mais plutôt loisirs créatifs. Et voilà, après, c'est pas pour faire des grandes surfaces, parce que la contenance n'est pas énorme, mais plutôt pour des effets ou éventuellement repeindre juste des tranches, par exemple, d'un meuble ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez la vraie couleur, là. C'est un espèce de chocolat au lait. C'est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Et donc là, je suis en train de patiner. Alors moi, je patine au chiffon, tout simplement. Donc là, je suis en train de réaliser toute la patine de la partie extérieure. Et au niveau de l'intérieur, bah, je vais procéder de la même manière. Je vais poncer, mettre de la sous-couche. Et après, au niveau de la teinte, je ne sais pas trop, parce que le blanc, c'est hyper salissant. Je ne vais pas patiner l'intérieur parce que c'est quand même galère. Je vais peut-être patiner les tranches visibles à la limite. Voilà, et donc, alors pour l'instant il est chargé parce que je fais étape par étape, parce qu'après ben, le temps de faire la peinture, il faut mettre ça, tous les contenus, ça fait du bazar quoi, donc je prends vraiment par étape. Et donc voilà, donc là d'ici ce soir, je pense que ce sera terminé pour la partie supérieure. Et en tout cas, voilà, et puis donc la petite référence de peinture, je me rapproche de la lumière. Comme je vous le disais, au rayon bricolage, il n'y avait quasiment plus rien. Donc, c'est le problème chez Action, c'est qu'au niveau des arrivages, c'est toujours irrégulier. Autre partie déco que je vous montrerai quand ce sera fait aussi, j'ai juste pris un rouleau. Donc, pareil, c'est à Action. Hein. Ça, pareil, bah, c'est au rayon des peintures et tout ça. Ils ont quelques rouleaux de peinture adhésif et... papier peint, décoratif, mais pas en grande quantité. C'est plus dans l'idée de faire un lait, par exemple, par-ci, par-là. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc, j'ai un petit peu craqué sur le motif. J'ai trouvé ça super sympa. Sinon, ils ont beaucoup de motifs gris, imitation pierre, voilà, ce genre de choses. Et là, c'est censé rendre ça une fois posé. Sachant que moi, je ne vais pas la fixer à la colle. Puisque voilà, j'ai pas envie après d'avoir à refaire, et puis bah, si je change d'avis d'ici là, pour l'instant je vais simplement essayer de bien la fixer avec des aiguilles ou des choses comme ça. Je vais étudier un peu la chose, je vous montrerai, j'ai pris mes mesures. Donc soit je vais faire un retour d'angle dans la pièce qui est à l'étage.
retour dans ce vlog un petit peu plus parler parce que je crois qu'il n'y aura pas eu beaucoup d'épisodes où je discute un peu. Mais voilà, bah, c'est aussi un format un petit peu différent, mais du partage toujours. Je viens de terminer une petite story que je vais essayer de certainement passer en vidéo aussi, puisque du coup, comme on est début juin, comme tous les débuts de mois, je reprends un ensemble de promos différentes sur Unique. Et donc là, je viens de me maquiller et de filmer en parlant en fait ce qui m'arrivait un petit peu plus rarement dernièrement, de filmer les produits concernés bah, qui passent en promo. Donc ils nous ont fait en fait une espèce de sélection des produits phares de l'été. Donc en particulier, et oui, j'en ai quand même pas mal bassiné les oreilles. Donc j'ai fait aujourd'hui, je vous réexplique du coup, parce que tout le monde n'aura pas vu forcément, tout le monde voilà, suit pas et YouTube et les réseaux. La bébé crème du coup de chez Unique que j'associe, j'en ai pas reparlé dernièrement, mais avec le fond de teint poudre de la marque que j'utilise moi aussi en poudre de finition, quand j'aime bien apporter un petit peu plus de couvrance à toutes mes bébés et CC crèmes en fait. Je vous ai parlé aussi pour, c'est celui de chez L'Oréal avec lequel je fonctionne aussi, et avec, oui dans ma rotation je vous ai parlé aussi de celui de Kiko là que je vais essayer prochainement. Enfin bon bref, on s'écarte de Unique là pour le coup. Donc Unique nous propose ce mois-ci une association de produits, et donc en fait c'est le principe de deux produits achetés, vous avez la première promotion qui s'enclenche, le troisième ainsi de suite, et plus vous prenez le produit, plus la promo est importante, et il est possible également de prendre deux fois le même produit, ce genre de choses. Donc moi ça me permet aussi de faire des commandes regroupées pour mes clientes. Donc on avait aujourd'hui, j'adore d'ailleurs le résultat du teint, avec la bébé crème, le fond de teint poudre, mais en particulier sur la zone T, et après je l'ai très légèrement passé sur tout le reste du teint. Et ils nous ressortent une promo aussi sur la poudre de soleil. Je vous ai beaucoup parlé du bronzer, les nouveaux bronzers qui sont sortis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les poudres de soleil comme ça, avec leur petit effet marbré et lumineux sur le côté. Et c'est vrai que je fais tout avec moi en fait, je fais voilà, je réchauffe mon teint et je vais m'en servir d'highlighter, de blush, je fais vraiment tout le teint avec. Donc là c'est ce que j'ai fait, du coup mascara 4D, le crayon que j'ai utilisé pour les yeux c'est Kiko, un des derniers doubles là que j'avais eu la dernière fois, et pour Unique qui nous mettent aussi dans la promo les beurres à lèvres, donc du coup j'en ai porté un des plus clairs aujourd'hui. Voilà, histoire d'avoir un truc so fresh, donc c'est un petit peu clair, mais j'aime bien de temps en temps aussi. Et dans la gamme des beurres à lèvres, ce que j'adore porter à cette saison, c'est le corail. Il est vraiment super joli, voilà, pour des trucs super, super frais, super de saison. Ils nous ont également mis des produits, donc tout ce qui va être perles bronzantes, crème hydratante, ils ont reformulé la crème hydratante, ils l'ont reformulée à la coco. Ça doit être juste une tuerie monumentale. Voilà, associé donc aussi aux perles bronzantes pour un effet allé progressif et tout. Je vous en avais déjà parlé, mais surtout l'année dernière. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre? Je ne sais pas si je vous dis tous les produits. Je crois qu'il y a un autre truc aussi. Il va falloir que je re-regarde un petit peu. Je suis en train de préparer mes publications et tout ça. Mais je voulais vraiment faire autour des produits de maquillage là pour le coup aujourd'hui. Donc, je vous en fais profiter aussi à travers ce vlog. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse déjà à m'interpeller sur si vous avez des questions sur les produits. Je mets le lien de ma boutique toujours en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si des fois voilà, vous voulez aller voir directement sans passer par moi, forcément. Donc voilà, où est-ce que je voulais en venir d'autre? Suite et poursuite des peintures, bricolages, etc. Il me manque un petit peu de blanc au niveau peinture pour poursuivre. Donc du coup, je dois aller faire ça et récupérer en même temps des colis. Donc là, c'est ce que je vais aller faire. Je vous partagerai peut-être des petites choses d'ailleurs autour de ça. Puis je pense qu'on va se rapprocher de la fin du vlog. J'attendais juste un petit peu de voir comment allait se passer mes prochains rendez-vous. Là, voir si je vous partageais des choses autour de ça ou quoi. Je ne sais pas trop encore. Donc je vais voir. Et d'autres projets... rénovation de meubles, ce genre de choses, parce que voilà, j'ai encore récupéré, je rentre pas trop dans les détails de tout ça, mais j'ai récupéré encore des petites choses et je vais les retransformer. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que je pense que je vais vous partager, je les partage un peu sur Insta aussi parfois, pas toujours, mais donc là j'ai quand même pas mal de choses qui m'attendent, et mais bon c'est sympa aussi, voilà, quand on a l'occasion, même le week-end ou quoi, quand il fait aussi pas mal chaud dehors,
de se mettre un petit peu à ces petites choses-là. Donc voilà, on poursuit sur le partage juste après. Bon, je vous retrouve devant deux petites pièces que je suis repartie trouver du côté de la friperie où je me rends assez régulièrement, puisque là il me manquait encore des petites pièces au niveau de l'été, ce genre de choses. Et vous connaissez du coup maintenant, je pense, ma passion pour les combi shorts, voilà, tout ce qui est un peu salopette et tout ça. Donc j'ai trouvé cette petite combi short kaki. Alors là, le retour de lumière est pas terrible, terrible. Je viens de la laver, il faut que je la repasse un petit peu. Voilà, elle se présente comme ça. Elle est super sympa, je trouve. J'avais pas en kaki. Là, il y a les petits nœuds pour régler au niveau de la hauteur. Des petits boutons un peu dorés comme ça. Et vraiment, esprit fluide et tout. Donc, bien repassé, nickel. Je pense que ça devrait bien le faire. Donc, je suis ravie de la trouvaille. Et vous voyez, comme j'en avais parlé, je voulais me trouver également une salopette en jean tout simplement. Et là, je suis tombée sur cette pépite. Donc, c'est une salopette longue, voilà, style jean. Elle a des effets un petit peu, alors, troués, mais c'est quand même, pour l'instant, ça reste assez correct. Je pense que c'est pas trop gros, quoi. Donc ça devrait bien le faire. Il faut que je prenne un petit peu le temps de l'essayer, de la régler et tout ça, parce que je sais pas trop ce que ça donne encore. Là, je me suis juste dépêchée à vous en parler. Et c'est une Stradivarius. Elle est franchement en super, super état. Donc je suis complètement ravie. Le bleu de la salopette, je tenais à ce que ce soit quelque chose d'assez clair comme ça. Et voilà. Alors au niveau du bas, je sais pas trop si ça va mouler ou pas, parce qu'au niveau salopette, je trouve que c'est bizarre quand c'est vraiment trop près du corps. Donc, je vais l'essayer et puis si j'ai le temps, je vous partagerai le résultat. En tout cas, voilà, comme vous le voyez au niveau. Donc, ça date, hein, c'était déjà il y a un petit peu plus d'une semaine, je crois. Et là, j'y suis pas allée. J'ai refait le point sur ce qui nous manquait, voilà, ce genre de choses avant d'y retourner. Comme ça, je sais exactement et ça évite qu'on s'éparpille à avoir juste des coups de cœur, ce genre de choses. On se contente aussi de voir dans la liste ce qui nous manque exactement. Et puis voilà. Mais là, en tout cas, c'était vraiment un gros coup de cœur pour le coup. Et d'ailleurs, je porte aujourd'hui la salopette short que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo haul. Petit prix, oui, c'est ça, je crois. Donc la salopette également que j'avais trouvée. À la friperie, il n'arrive pas à faire le focus parce qu'il y a plusieurs endroits. Donc voilà, elle arrive à mi-cuisse. Là, je suis pas encore tout à fait prête. Je vais mettre d'autres chaussures avec. Là, je dois aller finir de faire une petite vidéo au maquillage des yeux. Et puis, ben, je serai prête. Donc, je la porte avec un t-shirt blanc, tout simplement. Voilà, esprit samedi. On est samedi. Samedi d'été, il fait super lourd encore. Donc, ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Me voilà de retour dans la voiture suite au petit bout de vlog là, que je vous ai fait ce matin. Sachant que oui, on est là, la journée, là on est samedi, donc normalement il faudrait que je clôture aujourd'hui. Du coup, je vais voilà, juste vous partager des petits éléments de la journée. Et puis voilà. Il fait une chaleur pas possible, on est à 35 là encore aujourd'hui. Là, je patiente un petit peu à l'ombre, je dois repartir. Et voilà, j'ai une réception de commande Elora. Ce matin, donc il va falloir que je redispatche un petit peu les pièces. Et il y a normalement un article pour moi. Donc je vais peut-être vous montrer ça en rentrant. Suite à ce que je vous avais montré au niveau partage vêtements. Il y a peu de partage make-up en ce moment. Voilà, puisque ben, je consomme beaucoup moins, n'est-ce pas? Voilà. Donc le fluo, c'est pas moi qui le porte, hein, c'est le gilet jaune à l'arrière de la voiture. Donc voilà, je vous ai montré une partie du petit look du jour, donc du coup la petite salopette. Et puis voilà, esprit vraiment très estival. Et j'ai fait ce make-up liner avec des fards liquides Unique, du coup. Et je vais monter une petite vidéo à ce sujet-là. Voilà, je suis repartie dans les petits trucs hyper simples, liner, rapide, machin. Mais j'aime bien faire des petits effets quand même. Voilà, bon allez, je suis repartie. Thank you.
je viens clôturer ce vlog dans un état un petit peu particulier. C'est une fin de soirée que j'ai décidé de faire sous le thème encore de la peinture parce que j'ai envie de me débarrasser de certaines choses qui prennent beaucoup trop de place. Le temps qu'elles soient peintes, en fait, je stocke un peu dans le garage et du coup, c'est inaccessible, donc c'est voilà, c'est casse-pied. Donc je me dépêche à repeindre ce que j'ai à repeindre. Je vous ai montré, j'ai terminé le petit meuble là, le dernier que j'ai fait en patine. J'ai pas tout à fait fini, il me reste juste les tranches à terminer, mais ça prend pas vraiment pas longtemps. D'ailleurs, je me touche les mains et j'ai encore de la peinture. J'ai pas réussi à faire tout partir, j'en ai plein les bras. Bref, voilà. Donc ce soir, j'étais motivée puisque de toute façon, il a fait quand même super chaud et que c'est un petit peu plus facile voilà, de faire des choses comme ça. Je vous montre mon look complètement. Voilà, j'essaye de bien me protéger parce que j'ai tendance un petit peu à m'en foutre partout. Voilà, donc là maintenant, je me pose un petit peu, je clôture ce vlog. Je suis en train de regarder un truc musical là à la télé où ça change un petit peu les idées. Donc, bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce vlog. Ça aura été très, voilà, vraiment partage un petit peu très aléatoire. Pas mal centré sur donc le bricolage et puis les petites tenues. Donc ouais, j'ai réussi à vous partager. Donc j'ai essayé la salopette en jean, là, du coup j'y reviens. Nickel, elle est un chouïa grande, mais je trouve que ce genre de pièce, ça se porte quand même assez un peu loose et tout, donc je pense que ça devrait le faire. Et le pantalon donc de la collection Elora, du coup collection printemps, si je ne m'abuse, oui. Voilà, ce petit pantalon est super joli, là même pour un truc un peu chic ou quoi, avec un petit haut noir, ou en mode décontracte, il est super agréable à porter. Donc voilà, j'en avais reçu pour quelques clientes, je vous ai pas montré du coup. Et puis également la petite veste que j'ai moi également satinée, là que j'aime tant, là, l'espèce de beige un peu satiné là du coup. Voilà, puisqu'il y a quand même pas mal d'articles qui passent en solde en ce moment. Donc c'est l'occasion aussi de penser, voilà, une fois que l'été va être passé, ce genre de pièces, on va en avoir quand même assez régulièrement besoin. Donc voilà pour les petites commandes reçues. Donc écoutez, je vous laisse pour ce vlog. J'espère que ça aura été agréable à regarder. En tout cas, pour vous, je me rends pas bien compte, là, comme j'en fais pas très très souvent. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.